Wonderful. Alors du coup, la partie est nouvelle. Je crois qu'il y aura toujours, du coup, il y aura toujours la version française, mais pas pour tout le jeu. Alors je crois qu'il y a la version maintenant pour tout le jeu qui est disponible. Pas du tout, mec. J'ai plus le mode. Put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. Merde, y a pas le mode VF. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, les pops? Sinon, au prochain live, en vrai, je la mettrai. Vous en battez les couilles ou pas? Quelle est la VF? Dites-moi. Est-ce que. Attendez, je vous fais un petit sondage. Attends, enfin un pouf. Alors. Je vous mets le sondage. 5 minutes. Tiens, ours. C'est bien ça, Jao. Comme ça, pour un truc, je le mettrai. En vrai, les gars, ils sont quand même vraiment gavés pour la cinématique d'intro, hein. Comment le jeu, il a pu avoir un lancement aussi catastrophique, bordel, quand tu vois une cinématique comme ça? Tu te rends compte les sous que ça a dû coûter, bordel? Ah, y'a pas Eric Zemmour cette fois-ci, les gars, désolé. Mais je sais que vient d'arriver, les petits potes, hein. Bien vient de rue. Merci, monsieur Drajogon. Merci, Infinity. Alors, les gars, par contre, il y a urgence. Je vais aller me chercher une binge. J'arrive. C'est important. Non, mais putain, mais commence pas là si. Oh, va te faire enculer, hein. Moi, je vais chercher ma binge, hein. Enculé, tu fais une merde! Il continue de parler, hein, ce couillon de la lune, hein. Oh, c'est pas possible, frérot, mais où est-ce qu'il a atterri? Et du coup. Je contrôle de ce débile. Ah non, je vais juste appuyer sur eux là. Est-ce que j'ai encore mes touches? Oui, j'ai mes touches. Putain, il me fait peur à chaque fois ce connard. Il est mignon, putain! Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. On peut changer le FOV ou pas? I'm Gregory. Gregory. I will notify the main office. Connection error. Bonjour monsieur Hugo 10000. C'est Fredou, c'est monsieur Fredou. She cut you off. Je suis celui d'une dinguerie. Je pense qu'il est vachement mieux depuis qu'ils ont fait la malle surtout. Who is looking for you? Your ah maman. Ah c'est madame Pavoshko, non? Il y a toujours les putains de drops, hein. Non, non, I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trop bien, ça faisait longtemps. Merci infiniment, monsieur. KDTV Doctrigé. Merci infiniment, monsieur Bjarkan Art. Donc, du coup, alors attends, là on peut pas encore entrer dans ce débile. Si on peut total. Oh, c'est le petit pégou là. Ok, donc la phase watch, la fameuse, c'est vrai qu'on la récupère là, dès le début. J'ai fait ça vite à cadrafer dans l'emport, bien sûr. Eh, MIT quand même, pas deux fois. On mange pas nos morts matin, midi et soir non plus. Ta gueule. Laisse pas sortir! There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Ok. Well done, ah, attends. There is an open air vent inside the maintenance. Oui, celle-là, le truc de maintenance, il y a le... Non, il n'y a pas l'autre connard dès le début. C'est plus tard qu'il y sera. Le mec qui nous poursuit, là. Bonjour, monsieur. 1, 2, 3, 4, nono, bienvenue de rue. Et donc, on va devoir sauvegarder. Bon, on va devoir écraser nos emplacements, mais je pense qu'on s'en bat un peu les couilles, ici. Écraser la sauvegarde la plus récente. Non, je fais un nouvel emplacement. Ok, nickel. Donc, je crois que le mec, il y sera pas dès le début, hein, normalement. Hein, de mémoire. C'est vrai qu'on va lentement, du coup, on a plus nos améliorations. Your hair is beautiful. Your tail is beautiful. Everyone was watching you. Everyone loves you. Mais en fait, elle est un peu skise, Roxy. Ça va très très bien, PCM. Merci infiniment. J'espère que toi aussi. Il y a des sons français dans le jeu. T'as fait une mise à jour. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes dans mes T-Pops? Justement, là, il n'y a pas le français parce que j'ai oublié de. J'avais enlevé le jeu parce qu'il prenait pas mal de place.
Et là, en le réinstallant pour Win, j'ai complètement oublié de... J'ai complètement oublié en fait de remettre le mode, les petits potes. Est-ce que tu penses créer un canal de discussion Instagram? Alors là, les gars, il faut juste m'expliquer. Parce qu'on en a parlé, on m'a envoyé des DM pour ça. C'est quoi l'intérêt, les gars? Expliquez-moi l'intérêt d'un canal Instagram. Parce que je suis pas sûr d'avoir vraiment capté. J'ai aucune idée d'à quoi c'est ça. Ta queue est superbe. Et ça va sortir sans contact. Non, bien sûr que non. Bien évidemment que non. Parents, tu sais, j'ai menti au début. T'as pas besoin de courir, je crois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On me l'a beaucoup dit ça en commentaire. Apparemment, ça sert à rien. Mec, y'a toujours des putains de drops de frame de sa race, hein! Si jamais, les gars, j'ai, il me semble, la RTX, mais je l'ai mise en bas. Rassurez-moi, c'est pas ça. Non, je suis sûr, c'est pas ça. Je suis sûr, c'est juste. C'est juste la bite. Les ombres sont en moyen. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Moi, mon ordi, il est parfait. Je le sais. Ok, est-ce qu'on peut récupérer des... Il y a un paquet ici, je crois, non? Je sais plus si c'est dès le début ou s'ils apparaissent au fur et à mesure. Ouais, non, il y en a un. C'est bien ce qu'il semblait. Bonjour, monsieur, c'est Pickfox. Les ombres, désactive les ombres. Attends, on va juste voir si ça me demande de redémarrer le jeu ou pas. Si ça me demande de redémarrer le jeu, je le ferai pas. C'est en bas, du coup, tu peux pas les activer. Ok. Bon, on verra si sans les ombres, c'est un peu moins... C'est un peu moins du sandwich Goku, il y a les potes, hein. Le petit à la ramasse, on dirait W2. Ah bah sur Security Breach, alors DLC Ruin, j'avais commencé à tourner, du coup, j'ai eu aucun freeze, aucun problème. Je pense juste que c'est le jeu principal qui a vraiment un souci, hein, particulièrement dans cette salle d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup dans cette salle où ça freeze à mort, j'ai remarqué. Bon, je vais partager des trucs à tes abonnés, des exclus et autre chose, des teasers, etc. D'accord, mais est-ce que c'est un peu genre comme Discord, mais en moins bien? Parce que j'ai remarqué qu'Instagram, globalement, tout ce qu'ils font, c'est ce que font les autres, mais en plus nul à chier, c'est un peu comme YouTube, tu vois. Attends, mais du coup, sans les ombres, c'est vrai que c'est vachement... C'est vachement, genre, éclairé. Attends. Voir si... Mais non, c'est vraiment juste... Ok, frère. Donc, faut aller le chercher auprès de l'autre con qui est là. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est Discord, mais on lui a chié. Mais d'accord. T'as arrêté la musique. T'inquiète, 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 t'inquiète. De toute façon, au pire, elle sort dans... 3h40 minutes. Tiens, ours. Tiens, ours gris. Eh oui. Ok, ça on peut pas y aller encore. Alors les gars, les passes de sécurité de niveau 10 là, parce qu'il y a des endroits, vous savez, où on a des passes de sécurité, ils disent passes de sécurité de niveau 10, on est d'accord, parce que j'ai vu une vidéo sur internet de comme quoi apparemment il y avait rien derrière. C'est genre juste des trucs, ils ont littéralement pas eu le temps de finir le jeu en fait. Ça n'a... Way to go, superstar. I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Okay, contrôlez Freddy. Bon, ça on le sait. This is the easiest thing I never saw. Cousine, mettez les rediffs. Oui, tout à fait, il y aura les rediffs sur... Sur, attention, les jeux que j'ai fait sur YouTube, que je fais en live, je mets les rediffs. Les autres que je fais pas ou que je fais juste comme ça parce que j'ai envie de faire un live dessus ou quelques lives dessus, je mets pas forcément. Mais si c'est des trucs que j'ai fait sur YouTube, globalement, je remets les rediffs. Globalement, globally. Bon, là, il y a l'autre con qui est en train de balayer le vide. Je crois... Oh, j'avais jamais vu ça. Vous avez déjà remarqué qu'il y avait ça qui descend... Mais les frises de ta mère, la pute! Vous avez déjà remarqué qu'il y avait ça, là qui... Mais il descend nulle part, en plus, ce débile! She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. Ah, c'est fou. We should still do our... I feel you are... C'est Freeze X Max, hein, les potes. Hein. Don't worry about it. I'm fine. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time. I'm fine. Je me rends compte que la voix française, enfin la VF qui a été faite, elle est vachement bien quand même. Vous trouvez pas? Vous avez aimé la VF vous ou pas, les gars? Et les ladies, bien entendu. Freddy, you're supposed to be on lockdown.
Officer Vanessa, elle est cool, hein? I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. Attendez, je télécharge le mode VF, comme ça c'est fait. Bah oui, je vais download now, espèce de con de mime. Débilus Pantalus! Notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Oh, suce-moi la bite. S'il te plaît, mon zizi! Géantissime! Mais laisse-moi exercer le downloadage, mec! Oh, that is terrible. C'est bon. Wonderful. Ok, les petits potes. Bah, moi, c'est la playa, mais que ça veille là. Mais les gars, du coup, Vanessa, c'est bien Vanny, hein. Je suis pas un teu, et pardon si je spoil certains, mais c'est un peu obvious. Mais c'est bien ça, les gars. Je suis pas. Je suis pas atteint de folie, oui, je suis pas atteint de démence, ok. Ok, wonderful. Ouais, je préfère la VO, la VF. Pour moi, les deux sont vraiment bien, les potes, hein. En vrai, hein, je pense qu'il y a même pas besoin de. Je pense que les deux sont vraiment bien, mon pote. Vraiment, vraiment. Ok, donc au final, on peut continuer exactement comme on faisait de base. Where are we? We are now under the Pizzaplex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Vazerblast, Monty Golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but... Ça a cartonné d'appain dans le jeu FNAF. Vert, après, faut les expliquer. Mais c'est la to... J'ai pas compris ce que t'as dit, Elon Musk. J'ai la chance, il y a Elon Musk sur mon live, les gars. Je vois pas que je suis un chanceux, quand même. Enfin, je trouve que je suis un petit vénard. Les batteries Freddy sont à plat, ok, bon, ça, on le sait. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you to the fast watch. Oh, suce-moi. Moi, je vais juste sauvegarder et pas t'écouter. Tu me pètes les couilles. Putain, mec, il fait des tremblements de terre, ce débile mental, quand il court, mec. Oh. This is the sandbag, man. Ok. C'est là qu'il y a l'autre con, non? It's Chica. Oui. Maybe I could distract her with something. Yes, and I'm gonna do it right now. Je sais plus si courir accroupi fait qu'on est audible. I don't remember, guys. Qui m'écoute? Vos mères, la pute. Merci, monsieur Thibault, pour ton prime. Ok, là ici c'est le easy game pour le moment. Et merci monsieur The Wolf Galaxy, merci infiniment. Putain, vous êtes sur en même temps, les gars. Merci Infinity, c'est très gentil, petit pote. Merci beaucoup, beaucoup. Ok, alors j'ai remarqué que dans le DLC Ruin, les petits potes, du peu que j'en ai fait encore, on court vraiment beaucoup plus lentement que monsieur Grégory. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, c'était... Ouais, on allait à 2 à l'heure, quoi. Il y avait un point de sauvegarde ici. Mon dieu, ma mémoire est défaillante, c'est terrible, hein. Ok, on revient au début, putain, j'ai un sens de l'orientation, mais qui est vraiment absolument froissant. D'ailleurs, le premier youtubeur me fait rire sur un jeu d'horreur. Bah écoute, j'en suis très heureux. Merci à Fen... Ah oui, évidemment. Putain, mec, mais c'est pas possible de freeze autant. Non, j'ai presque envie de marcher, mais j'ai un peu la flemme en même temps. Oh, mec, c'est freeze de mort de pute. Eh, moyen qu'il me rattrape pas, hein. C'est là qu'elle vient ou pas? Pas du tout. Ah si, quand même. Ok. D'accord, et donc tout ça là... Ah, tout ça, du coup, on peut le faire... Non, mais... Tout ça, du coup, on peut le faire en marchant et on se fait jamais choper, en fait. Oh, mec, c'est chaud, hein. Je pense que c'est la RTX, les gars. Je vais essayer de redémarrer... Je vais sauvegarder et essayer d'enlever la RTX. On va voir si c'est ça qui pose problème.
sais pas du tout. As long as the doors stay closed, which they will. As long t'es chaud les frères, c'est chaud hein. Abusez les gars. Freddy, the power's only at 15% and they're pounding on the door. How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There, you can now activate security protocols. J'ai une AMD, j'ai le même problème. Je pense que c'est pas un problème de carte graphique, honnêtement. Je pense vraiment pas. Yes, yes. Carcamp. Ah, il y a un truc que j'avais compris, bon, on le verra avec la carte après. Mais il y a un truc que j'avais compris, les gars, c'est que sur la carte, il y a des. Alors attendez. Je pense qu'on va prendre 3 secondes pour redémarrer le jeu. On va voir si c'est l'RTX, les potes, qui crée ces freezes. Parce que quand tu désactives l'RTX, il me semble qu'il faut redémarrer le jeu carrément. C'est pas genre tu reviens au menu, c'est tu redémarres tout le jeu. On va voir, mais il me semble que c'est ça. Arrêt. Ah, suce pas la bite, évidemment. Et ouais, je sais pas si c'est l'RTX ou pas qui fait ça. Je sais juste que l'RTX, je ne pouvais absolument pas l'activer avant. C'est comme si je mettais en bas, j'étais à 30 FPS avant. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Mais je pense que juste, il faut juste littéralement pas la mettre. Ah, va venir quand même. Non, c'est bon. Ouais, non, ça frise toujours, hein. C'est exceptionnel. Oh, tiens, une ours. Je suis bloqué où dans ce pays de merde? Elle est là. Ah, non, ça frise vraiment toujours, hein. Non, c'est juste vraiment le jeu, en fait, hein. C'est dommage qu'il y a quelque part que le jeu se sabote comme ça, du coup. Va pas être. Tout va bien. Ok. Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex is now closed, initiating nighttime protocols. Ok, donc là c'est le moment où on l'a dans le cul. Non, non, wait, I'm still here. Now what am I supposed to do? Alors ça c'est un phase mes couilles qui me booste le cul. Bonjour monsieur Kid Gamer du 50, bienvenue de rue. Personne de ceux qui viennent de follower les petits potes, merci infiniment, hein. Bienvenue à vous. Évidemment, c'est la bienvenance. Bienvenue de rue. Alors je crois que ce connard il alerte les gens, évidemment. Ok, est-ce que ça... Ça donne un truc important ou pas? Bonjour Lutine 401, bienvenue de rue. D'ailleurs pas bien rue, je crois que je t'ai déjà vu. Je suis pas sûr, je ne sais pas. Je crois, si je crois. C'est mon pseudo désastreux, t'inquiète. Ça arrive au meilleur. Putain, mec, je me rappelle que c'est vraiment trop trop chiant. Hein. Oh putain, c'est vrai que c'est stun drop dès le début. Eh, le jeu, quand même, il en veut à ton cul, hein. C'est là? C'est là. Putain, j'ai une bonne mémoire, mec. Oh, c'est faux. Les robots sur roulette. Ah, mec, mais les robots sur roulette qui ont le passing le plus aléatoire de la Terre, hein, d'ailleurs. Putain de connard, mec, c'est insupportable. Con de mime. Qui vont absolument tous les sens, mec, tu sais. Je suis sûr que même eux, ils savent pas où est-ce qu'ils vont, mec. Et donc ça, c'est l'hippopotamus, le parfum qui sent l'anus. Non, j'avais regardé, tu avais déjà fait un let's play. Oui, c'est ça, j'ai déjà fait un let's play dessus, gamer. Là, pour ceux éventuellement qui ont jamais vu, je vous mets le YouTube là. Pour ceux qui veulent regarder. Et les rediffs, ce sera sur ce YouTube là. Si jamais, pour ceux qui veulent éventuellement les s'abonner et avoir les vidéos directement. Et vous avez les deux chaînes. Ta sœur. Ok, faut aller intégrer l'hippopotamus à la machine. L'hippopotamus, le parfum qui sent l'anus, bien évidemment.
C'est où d'ailleurs? Merde, c'est où? La défaillance mémorielle et sensorielle? Ok, c'est par là. Ça va, pour l'instant, je parviens à me souvenir des éventuels chemins qu'il faut emprunter. Je passe sur le Discord, attendez, je vous mets le lien là pour ceux qui n'y sont pas, les petits bots. Pour ceux qui n'ont pas Discord ou qui ne veulent absolument pas s'en créer un pour XY raison, je vous mets le Insta ici. Pour ceux qui éventuellement veulent être au courant des lives, et je mets beaucoup de conneries en story, je mets des questions-réponses aussi qui me font beaucoup rire. J'ai mis en story à la une d'ailleurs la plupart des questions-réponses que j'ai fait. Voilà, pour ceux qui veulent éventuellement regarder, je trouve ça très 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 drôle. Les petites... Putain, suce-moi! Les petites interactions qu'on développe avec ça, je trouve ça vraiment marrant. Moi ça m'amuse beaucoup personnellement. Satanus! Pas du trou! Alors avant d'ouvrir ça. Ouais, en fait ce qui est fou, c'est quand même la quantité de vide, hein. Ah, tu vois, suffit de le dire et de se plaindre pour qu'il n'y ait plus de vide. Oh ouais. Là, si on avait déjà vu, il se sentirait prêt à faire un speedrun d'un jeu de son choix. J'ai déjà pensé, Mighty Pops. J'ai déjà pensé. Mais le truc c'est que. Est-ce que je suis assez discipliné, tu vois? Je pourrais m'y tenter, hein, mais. Voilà, je suis un. Elle veut pas venir du coup, cette grosse conne. Merci, monsieur Léonimust. Merci infiniment. Alors, attendez, je vais allumer une lumière derrière moi parce que finalement, je perds mes yeux. J'aimerais bien les garder quand même. C'est une question de patience et de force mentale. Ouais, surtout, je pense, de discipline et d'entraînement. Genre de vraiment chercher à te perfectionner sur un truc. Mais bon, je sais pas si je me tenterai à un world record, tu vois. Parce que des mecs qui font des speedruns, j'en regarde. Mais j'en regarde beaucoup. Et vraiment, avant d'atteindre ce level, mec, je pense que tu peux te gratter le cul avec les 10 doigts. Hein. Les gars, faut faire quoi déjà maintenant? Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Faut aller où? Oh putain, connasse. Qu'avais-tu appris avec le café et FTAF SB? Que les deux n'étaient pas tout à fait compatibles. Mais c'est pas un café là, c'est une binoute. Ah, mais c'est vrai, c'est ta leak. Non, non, mais les gars, je ne m'énerverai pas. Vous connaissez, de toute façon, je suis un grand calme et de bas. Ah! It ain't my pass! Try that terrible magnet you found. Yes! Mais voilà! I scrambled the machine! Oh man. Now it's some kind of. Prends-le! Cours de mine. Heureusement que je suis d'un calme absolu, hein. Moi, je veux dire, ça me jette absolument pas de refaire tout ce que je viens de faire. Ça... D'ailleurs, les personnes à qui ça pose problème, j'ai jamais compris, frérot. Genre, le fait de recommencer plein de fois un truc, moi, ça m'a jamais... Je pense qu'il faut avoir un minimum de mental quand même, genre désolé hein, pardon mais. Quand même un moment, genre tu vois, genre le fait de reprendre le cadeau, de repasser en haut, de reprendre le magnète, de repasser en haut, ensuite de redescendre, ensuite de rappuyer sur le truc magnète, puis ensuite de prendre le magnète, puis ensuite repasser vers le truc, je veux dire je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'énervant à perdre 15 minutes de gameplay. Y'a pas de. Alors... Je pense qu'il faut ménager ses nerfs, tu vois, y'a pas de. Y'a rien de grave, y'a rien de grave, tu vois. Genre. Ouvre-toi! Il s'ouvre pas là. Non. Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez vos pères la pute. Merci monsieur Kitsumi Fury. Bienvenue. Alors, je vais éviter de lire ton message, Naru, hein, évidemment. Lol. Non mais... NON! Mec, en plus, ils ont une capacité à détecter en Wi-Fi, mec!
Oui, tout à fait, Nico. En fait, le message, en fait, il a été rajouté à l'arrache plus tard, parce qu'en fait, quand le jeu est sorti, donc il n'y avait pas ça, et donc du coup, c'était insupportablement chiant. Du coup, les gens, la plupart, ne faisaient pas les fins, évidemment. Du coup, ils ont rajouté ça à l'arrache, sauf qu'au début, en fait, c'est tellement affiché comme un sous-titre que bah, j'ai même pas capté, en fait. Donc, j'aurais dû mieux lire, hein, mais c'est tellement marqué comme un vieux sous-titre de merde que bon. Ça va, frère, y a pas de mort non plus, hein. Si elle ouvre. Si elle ouvre. Si elle ouvre. Mais quoi ? C'est lenteur. Bonjour monsieur Suzano34T, bienvenue. Donc tu n'as rien loupé du live puisqu'actuellement depuis le moment où on a commencé, on est ici à peu près. Putain d'enculé de ta mère. Est-ce officiellement la pire? Oui, clairement. Moi, je sais que c'est celle qui me vois pas. Je sais que c'est celle qui me plus les... pète le plus les couilles et de très très loin. Non, cours de Grégory de merde. Elle est pas là. Elle est invisible. Si on ne voit pas le problème, c'est qu'il n'existe pas. Je connais cette règle. C'est une règle d'enfant. Quand je mettais mes mains devant mes yeux, les gens devenaient invisibles. Elle est là. C'est sympa. I found the free gift. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Lame. Si t'ouvres ce putain de truc. Sorry, Gregory. I am truly sorry. Sale grosse pute. Sale pute. J'ai une idée. Oui. Oh, ta mère la chauve. Voilà. C'est ce qui est fait, mais plus à faire. Non, je vais passer quand même, j'en ai rien à foutre. Putain, il peut même pas monter un mètre, ce débile! Déjà, on a pu recommencer ce qu'on a fait avant, les gars. Il y a comme une impression de déjà vu, hein, mais elle est petite, hein. Si, peu de juge de l'autre connasse. Il y avait un E là, on pouvait se cacher. Oh, c'est la distraction, d'accord. I forgot it. Okay. It ain't my past. Dépêche-toi, Gab. Est-ce que je le récupère là, vous pensez, ou pas? Oh man. Oui, il va le récupérer ou il faut que je passe devant?
Please, oh, great bon. News. I will meet you in the daycare. Mm-hmm. The entrance is on the second floor balcony. Oh, je les sound grâce à mon Bose à 2 millions d'euros. Non, non, non. Oh. Putain mec, hey, cette carte elle est vraiment flinguée hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas la carte la plus flinguée d'Europe, je veux dire c'est quoi ça? Genre quand j'étais en CP, je suis nul à chier en dessin, je dessinais pas comme ça mec. Y'a un mec qui a été payé à dessiner ça! Si t'ouvres ça, je t'ouvre le cul! Je sors. J'y vais. Oui. Oui. Dingue un truc, je crois. Series de cadal. Cadal, putain, c'est dans les autres. Mec, cette jauge d'endurance de sa grand-mère. Oh! Der Kampf. Y'a pas d'autre, hein? Si, voilà! Tiens, moi, elle est défaillante, mais pas toujours! Voilà! Hello! Que tout le monde s'est squeezie! Carte dessinée par le fils du dev, c'est grave ça? Putain, les gars, il nous manque un employé. Comment on va faire? Celui qui était chargé d'empêcher les frises, il est mort! Comment on va faire? Diriz, à ta mère. Can I get a high, yeah? Eh oui, tout à fait. Tout à fait, monsieur, monsieur Albert le boss. Ok. Oh, c'est super joli, putain, ces écrans. Bah alors je sais pas ce qu'il veut dire, c'est juste qu'on doit glisser dedans hein, c'est... Mes souvenirs, y'a pas autre chose à faire, c'est vraiment juste tu fais... Ok les gars. Les gars, easy game. What? J'ai fait du drift! T'as oublié un cadeau, je pourrais le récupérer! Pardon, je pétais ma bière, ma libellule. You're sure up late? Are we having a slumber party? Where are all your friends? We can finger paint! La gueule! Là! Là! There is a cadal right at the top of this. I remember, guys. Oui! Ah là! Comme ça, c'est fait, on l'oublie pas. Il est l'autre connard. Je sais qu'il y a qu'un cadeau, de toute façon, mais souviens, il y a qu'un cadeau, il y a qu'un seul cadeau, hein, les potes, hein. Oh, de mime. Est-ce qu'il répète toujours comme un con tout ce que, tout ce qu'il dit sans arrêt? Il répète, mais... C'est quand même moins... C'est insupportable. On va parler français. C'est insupportable. Mais moins que en... Mais moins que... Qu'avec la VF. Avec la VF, vraiment, quand il répète, t'as vraiment envie de le baiser, le pauvre. Hein. Enfin, le pauvre, du coup, non. Pas le pauvre. Ça va prendre le badge. Regarde, mec, ce débilus mentalus, mec. Regarde-moi cet imbécile, mec. Regarde ce demeuré, mec. Ok d'accord, il a un câble dans le cul, je viens de le capter. Ah. C'est le meilleur en termes de style, mais en même temps le pire parce qu'il fait flipper Sarah. C'est vrai qu'il fait flipper, mais après quand... Moi ce que j'avais oublié en fait, c'est que même quand c'est du coup Moondrop, et non plus Sundrop, donc c'est-à-dire que c'est un connard, c'est-à-dire que de base c'est un relou et maintenant c'est un sac à merde.
En fait, alors déjà là où on est, c'est une zone d'invincibilité. Ça, et surtout en fait, quand tu déranges les trucs, il y va en fait. C'est-à-dire que t'es plus la priorité pour lui. Ce qui compte pour. Regarde-moi, c'est des. Tu peux partir, s'il te plaît! Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez vos mères la pute! Il va pas partir, hein? Merci, monsieur Shadow 69320 pour ton susu, merci infiniment. Merci aux personnes qui exercent le seuil, merci aux personnes qui donnent leur prime, c'est très gentil, ça m'aide beaucoup. It's past your bedtime. Ah, Sneak, comme ça, des fois pas, il part, ah bon? Mais si, non, il est attiré par moi, c'est sûr, il me voit, 100%. Là, c'est la cadet, non, jamais. Est-ce que je suis du genre à avoir peur dans les jeux? Évidemment. Est-ce que je suis du genre à rester dans ma peur? Non. Bon, eh. Je vais juste. Attends. Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est mes heures de Counter-Strike qui parlent. Je vais faire une décale à droite au moment où lui décale à gauche. Vous allez voir, stratégiquement parlant, ça va être ok. What? C'est open bar comme le cul de ta mère! Parfait! Clean up. Voilà! Donc, je sais que là-dedans, il peut pas me suivre tant que j'ai pas fait. C'est des générateurs qu'on doit faire là. Camp, oui, 5 générateurs. Et au bout du 3ème, c'est ça? Au bout du 3ème, je crois. Là, il peut monter dans les attractions. Et c'est à partir de là où ça devient vraiment difficile. Oui, ouais. Ouais. Because everything is gonna be alright. Yeah. Oh! There is some green cable. I need the green cable to be. Faire des hitbox ça coûte cher hein, quand même. Vous avez remarqué? Il va pas. Tu vois, il vole, regarde-le. Mec, il est tellement heureux, regarde. Je nage dans mon océan de vide. Bad children must be found. Non, toujours pas. Tu vas pas venir, hein? Non, c'est bon. Tu vas pas rentrer dedans, hein? Rentre pas. Putain, mec, il me fait peur, ce débile. Ton de mime de merde. Faut déranger. Stressez pas. La situation est en main! Je peux monter par là ou pas? Ou ça descend une. Non, je peux. Alors, par contre, si la musique veut bien arrêter de faire de la chiasse! La musique elle fait n'importe quoi! T'as vu? Il fait des roulades! Qu'est-ce qu'il fait frérot? Bah il faut tout déranger. Ok, il faut tout déranger partout. Merde, les gars, c'est lesquels qui nous manquent? Il nous manque le violet et il nous manque lequel autre? Oh! Der Kampf, j'ai pas vu. Ah, I did not see. Oh god. C'est le violet et le vert? Mais non, le violet, tu l'as fait, connard! Oh, con de mime que je suis, mec! J'ai rien retenu, moi, et ma mémoire à chier, putain! Bleu et vert? Non mais les gars, faut vous mettre d'accord. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît, débattez. On pose le problème, on trouve une solution. Non, le jaune, il est fait! Qui a dit jaune? T'as pas fait le bleu, ok. T'es sûr? Bleu et vert, vous êtes sûr, hein? Certain. Y a pas une once de doute dans vos propos. Vous êtes dans la certitude ou vous répétez ce que les gens sur deux ont l'air de dire? Bleu et
putain de vie de merde, de con, de bordel. Je vais me rentrer des stylos à billes dans le cul, hein, mec. Oh! Ouais! Ok, faut vite que je sorte. Ok. Et le bleu, vous m'avez dit. Ok. Le bleu qui est là. Où est-ce que je trouve le bleu? Le problème, c'est que c'est des putains de maïs de ces morts! Le bleu, du coup. Ah oui, il est le bleu, bordel. Il est là, comment on rentre dans ce pays de merde? C'est par là, hein. Oui, c'est par là. Ils y arrivent sur un passage littéralement. Everywhere. Je l'entends. Il est en dessous, non? Mais what the fuck? Mec, la taille de ce BRO. Ok, stratégie. Je rentre pas par là, hein. Sera de ouf, sera de ouf, sera de ouf. Sera de ouf, les potes. Pas de stress, y'a point S. Il est en bas? Non! T'as cherché en haut comme un connard depuis tout à l'heure, mec. J'effectue la stratégie. Oui. Oui! Voilà! Les gars, on l'a OS, je tiens à le dire. Alors, je pense pas que ce soit le boss le plus compliqué d'Europe, en effet, mais on peut en tirer un petit sentiment de fierté, je sais pas ce que vous en pensez. Le pauvre, j'ai peur. Oui, non, c'est bon. Je repose un GG, les gars. Pour fêter cela. Ok. Est-ce que, les gars, on a par pur hasard, hein, est-ce qu'on a autre chose à récupérer ici ou pas? Normalement, on a qu'un seul package, if I can say. Mais dans le doute. Il y a rien d'autre à récup. Il y avait que la batterie de lampe. C'est tout, hein. Il y a que la batterie. Après d'où? Merci! Et que la batterie, ok. Regarde, mec, cette grosse conne! Tu mords! Monsieur, la drop du sun a exercé la. A exercé la merguez. Il faut pas le regarder, c'est ça? Tu feras toutes les fins, on verra. Sauvegarde. Merde, j'ai pas sauvegardé, c'est vrai ça? Si? Non. Non, non, j'ai rechargé que la. Oh la taille de l'idiot, mec, comment j'aurais du tour, comment. Oh my god. Et mec, heureusement que. Oh là là, mec, heureusement que j'ai pas foiré un truc, hein. Bonjour, monsieur Buxon. Ah, c'est vrai que ça faisait longtemps, c'est bizarre de te voir. Quoi, vas-tu, très cher? Sérieuse mademoiselle fille Mia Cavani. C'est une belle beauté. Ça très bien, monsieur Bexon, merci infiniment. Ça fait très plaisir que ce soit là. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Ah, sérieux, connard? Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, no, no. I did not. There is no rabbit. Bonjour, at the Mega Pizzaplex. Not anymore. Mm-hmm. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. I enough. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're different. Bonjour monsieur Streamelper, bienvenue de rue. Bonjour monsieur Quitz Greats. Ça va très bien, je vous remercie infiniment, j'espère que aussi. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes. Do not panic. If we get. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, les gars? You can always call me on your fast watch. Dans le monde, hein. As long as I have power. À qui on a dit ne panique pas et il a arrêté de paniquer. C'est déjà arrivé ça ou pas?
Parce que si on parle de piner de la grosse gonze absolument incroyable, là je suis sûr que c'est déjà arrivé, mais si on parle de peur, je suis pas sûr que le fait de dire de ne paniquer a fonctionné, hein. Personnellement, on n'a pas besoin de me dire de ne paniquer pour que je nique pas, mais... Et me dire de ne pas paniquer me fait... Oh. Vous m'avez compris, hein. Dans un monde sans peur, peut-être, oui, éventuellement. Éventuali. Est-ce qu'on va... Suce-moi. Est-ce qu'on va récupérer... Attends, il y a des cadavres là-bas. Il y a des cadeaux. Mais ils servent à rien, non. C'est que des poupées de merde. Non, on s'en fout. C'est plus tard. Quand on aura le gigapass et les trucs trop stylés. De la merde. Ça a déjà marché perso. Genre on t'a dit panique pas, t'as fait ok. Genre t'allais mourir. On t'a dit panique pas, t'as fait ah oui pardon oui c'est vrai. Bah oui. Sims logique, un obvious man. Bonjour monsieur Black XTW. Regera t'es quoi? Et bah des gens du chat vont très certainement te le dire. Regera. Bien entendu. C'est là qu'on peut monter là. Oui. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast. Mais d'accord, la musique est à 122h de base. Ah, alors attends. On va regarder la scène lecture de chat. Oh. Que a-t-il marqué à droite? Oh. Qu'est-ce que je dis en story, les gars? Attendez. Faudrait peut-être réécouter en deux secondes. Attendez, qu'est-ce que je dis dans la story? Le son sort ce soir à minuit, bordel de merde. Attendez, on va réécouter ensemble, parce que je suis pas sûr d'avoir bien assimilé l'information. Le son sort ce soir à minuit, bordel de merde. Petite dernière histoire d'être sûr. Le son. C'est quand minuit? C'est après mi-jour. Mais juste après. Vraiment, vraiment juste après. Tout juste après. Ouais. Monsieur Toaster, je vais exercer le meurtre. Bon, on va se faire enculer en moonwalk, hein. Prends ma carte! Please take this map. Oui. Take a map. Oui. Attends. Mais c'est pas le même? Ouais, il avait une voix plus aiguë, le premier. C'est pas j'étais à droite? Ah. Ouais, c'était une voix plus aiguë, non, la première fois? C'était... Take a map. Non? Mais si. Thank you. Please enjoy. Non, si, j'en suis sûr, les gars, je vais vérifier en deux secondes. Si, je suis sûr de ça. Je suis sûr que le take a map, il était plus aigu dans la première run, attendez. On va le voir en deux secondes. Mais oh putain de merde, enculé de sa race. Ça y est. Je vais trouver, hein. Ok. J'ai trouvé. Regardez, écoutez. Fils d'enculé de sale pute, va! Take a map. Suceur de bite, connard! Bon, là on entend pas le reste, mais vous voyez, elle fait take a map. Là c'est take a map. C'est plus grave, les gars, je suis pas fou! Genre écoutez. De sale pute, va! Take a map. Take a map. Take a map. C'était plus grave là, la voix, je suis pas fou! C'est pas la même voix, mais d'accord, monsieur Ali! Je suis pas. Ah, je suis pas malade quand même! J'ai cru que j'étais atteint de démence, frérot. Attendez, je remets le son du jeu. J'ai cru que j'étais atteint de folie, frérot. Petite fessée, là. Vraiment, j'ai cru que j'allais arrêter la musique, genre. Hein, plus rien, quoi. Ça sert à rien. Et du coup, attends, c'est à la place de... Non, c'est devant ce panneau que ça apparaît, hein. Ça y est toujours. Oui, ça y est toujours, parce que c'est une espèce de carte. Qui indique très très mal, d'ailleurs, hein, oui. Parce que c'est vrai que cette carte n'indique pas... Mais c'est pas la folie, là, en termes d'indication, quand même, hein. Oh oui, il a fait une transition, c'est ça. Je suis mi-robot, mi-chaise, mi-portefeuille, mi-tronc d'arbre, d'accord. Le premier qui m'appelle pas, tronche à porte, je lui nique sa race, d'accord.
Je porte plainte pour intolérance. Parce que la personne ne fait pas ce que moi je veux. Elle n'est pas tolérante si elle ne fait pas ce que moi je veux. Hein? D'accord? J'ai raison parce que vous avez tort. Bordel. Lors du dû, j'ai un balai dans le cul. C'est bon, tout va bien. Tronche à porte, quoi. Mon discours est attaqué avec H, je te jure. J'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est toujours ce que je dis, les gars, c'est que les bonnes causes sont souvent portées par les mauvaises personnes. C'est souvent ça que je dis. Tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas au max, pétasse. C'est en haut ou en bas? On doit aller où? C'est vrai que Freddy qui réveille. Au troisième étage, c'est bon. Là pour le coup c'est bien indiqué, je n'ai rien à dire. Tranche à porte. Le robot est dans son centre de scope, c'est quoi ça? It looks like the door to El Chip's is open. J'en ai rien à foutre. Ok, voilà, monsieur El Chip. Et moi. Tu peux choisir l'un ou l'autre. De quoi l'un ou l'autre, frérot? Je préfère quand c'est Wesker qui le dit. Hein. You can hide forever! Mec, le pauvre, il est. Oh là là, mec, il est en. De débilité, le. Oh! Sans blague, connard! Be safe. Non, mec, cette carte rend dépressif, hein, pardon, hein, mais. Pardon, mais. Qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, les gars, regardez. Genre, c'est dire. En bas à gauche, il y a marqué. Regarde. Station de recharge, on les voit. Emplacement de Freddy. Bon, là Freddy est avec nous, c'est normal qu'on le voit pas, je dirais. Escalier, donc c'est des trucs en violet. Et ensuite, il y a marqué zone verrouillée, billet d'entrée, zone déverrouillée. Les gars, on est d'accord que de tout le long du jeu, ce n'est pas marqué une seule fois, ces putains de portes de ces morts. C'est... Je suis pas fou. Regardez, même dans Réduit cul. Voilà, on voit monsieur Freddy, mais c'est tout. C'est quoi ton nom dans la vraie vie? C'est Gérald. J'aime bien Gérald. Très inspiré par monsieur Darmanin derrière moi. Non, mais arrête de camper, mec, vraiment. Son nom, c'est Porte. Je m'appelle Porte. Ok, donc ça c'est l'endurance du coup. L'endurance. Tu fais du bug quand tu étais coincé entre le rocher et la barre d'escalier, toi? Bien sûr, je m'en souviens dans le Roxy Resway, bien sûr. Bah, il te faut un endroit où. D'ailleurs, on pourra regarder si. Et le sang de tes morts, vous allez manger, ta femme, je l'ai prise, j'ai enculé. C'est pas moi! À dire, je n'ai aucune idée de comment je suis vivant. Hein. Vraiment, je ne sais pas, les potes. Je ne sais pas ce qui fait que je suis vivant actuellement. Oh putain, mais lui, il a vraiment décidé de balayer devant, hein. Là, quoi. Si je fais ça, il m'en perd pas. Ben voilà. Le problème était simple à régler. C'est juste moi qui fais de la chiasse. Oh, c'est une distraction, ça. Hein. Bon, là, il va y avoir un giga freeze, les potes, plus les couleurs qui vont faire de la merde, il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Et ça m'a marqué tellement. C'est... Putain, mec, mais lui là. Il a claqué son fond de 6ème là. Il a tapé sa meilleure accélération. Ouais. Ah, les gars, ce que je propose, éventuellement, ce qu'on peut tester. Est-ce qu'on se réécouterait pas là avec du. NON! Avec tout le monde? Est-ce qu'on se réécouterait pas le son en avant-première? Le temps que j'essaye d'installer rapidement le mode V. Ah! Mais arrête de faire ça! Vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi? Est-ce que. Genre, regardez, je mets un.
un pro. Attendez, je suis un vrai streamer. Mais non, mais y'a pas Evelyn Choper là-dedans, faut juste que je sauvegarde. Prochaine fois de sauvegarde, on a dit. Être organisé dans la tête, on a dit. Se souvenir de ce qu'on dit, ne pas avoir une mémoire défaillante. Tout c'est. Putain de frise de ces morts! Freddy, it's not opening. How unfortunate. Ça a pas planté, je vois que ça. Non, on va voir. There is a roll-up door at the very back which leads to the prize counter. C'est par là? Oh mec, j'ai un sens d'orientation qui est vraiment égal à mon trou de balle. Non! Bonjour monsieur Agiruix, bienvenue. Quelle est la vaste conne? On l'a tous vu. Bienvenue au nouveau follow, les petits potes, hein, évidemment. Merci d'être là, merci pour votre présence. Les gars, on est presque 11 000, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment insane quand même. Hein. C'est 11 000 fois une personne, quoi. Oui, j'ai fait scientifique. Je suis en sens de l'ingénieur, bien entendu. Qu'est-ce que tu fais? Mais code, mec! You can't hide from me. Je suis pas stressé. Je veux dire, moi, y a pas de. Y a pas de moment où je speed, tu vois. Je suis toujours été quelqu'un de très très calme. Rien ne m'angoisse, pour être exact. Sneak away, little coward. Merde. Are you hungry? Merci, mademoiselle Coralie. Attendez, je vais mettre le mode VF vite fait. J'avais dit prochain point de sauvegarde, du coup, attendez. On vient de sauvegarder là à l'instant. Putain, heureusement qu'on est pas mort, hein, quand même, on a géré de fou, hein. Vraiment, on est trop fort. Bon, du coup, je remets une petite exclue, hein, les petits potes. Le temps d'installer le mode VF, je ne me souviens plus comment on fait, mais t'inquiète. Vraiment, j'ai 2 minutes et quelques. On est bien. Comme on dit chez nous, on est bien. Ben voilà! Vous voyez, pile à l'heure! Bon, attendez, je remets juste le son du jeu parce que c'est un peu chiant sans quand même. Voilà! Oui, ça marche très bien! That is what we call a fucking wonderful thing! I don't know what you want! Normalement, les gars, on est en VF! Et là, on est en VF pour tout le jeu! En vrai, et les gars, on était d'une efficacité absolument, je trouve, personnellement, redoutable! 22h22, oui, tout à fait, touché du rouge, les petits potes! C'est important! Hop là! Tac, j'ai touché! Ouais. Merci infiniment, monsieur Thomasin. Mais cette musique, on sent l'amélioration continue comme ça. Merci infiniment. Et bah, du coup, je suis passé ouais, par un vrai ingénieur du son maintenant que bah, la musique me rapporte un petit peu. Alors, ça me rapporte pas évidemment des masses. Sinon, j'aurais déjà acheté une Corvette, évidemment, puisque c'est la prix. On pouvait monter là dans ce pays de merde! Quoi? Comment ça, mon ref? J'ai tout cassé, frère. Oh, je crée du bite comme vous de cheval, du bite de cheval, oh là là, vous pouvez monter ici. Du coup, je suis passé par un vrai ingé-son maintenant que bah, c'est entre guillemets rentable de le faire. Parce que, évidemment, je ne conseille à personne de dépenser 2 millions d'euros dans un son si vous n'avez pas une. De la merde. Ne serait-ce qu'une petite base d'audience, un petit peu, attends, ne le faites pas, ça sert à rien. Bien évidemment. Mais je conseille plus d'apprendre en indé. Mais pourquoi j'ai pu monter tout ce qu'on est plein dans la chatte à la grand-mère? C'est bon. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que le résultat il est vraiment vraiment super bien. Et du coup je rebosserai avec ce cher monsieur. C'est des sons que Miss Naruto a envoyé en DM. Ah. Tu parles des musiques avec la voix IA. Parce qu'ils sont amusés sur le Discord. Je vous mets le Discord les petits potes pour ceux qui veulent éventuellement rejoindre. Et le Insta, hein, comme d'hab, pour ceux qui n'ont pas Discord. En fait, sur le Discord, on a des chers abos qui ont fait des reprises de musique avec la voix IA de moi. Et en vrai, c'est un peu perturbant. Un petit peu. Surtout de te dire que c'est que le début, donc c'est-à-dire que plus tard, ce sera très 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 bien fait, très certainement. Ça fait un peu peur, je trouve, personnellement. En tout cas, merci infiniment, monsieur Mighty, pour ton susu, c'est très gentil, merci infiniment. Et merci, monsieur Thomasin, aussi, à tous ceux d'avant. Merci. Oh, putain de merde! Merci. Ta gueule, toi, il me pète les couilles, celui-là. Oh, merde, lui. Bonne soirée, mademoiselle Faye. Merci infiniment pour ta présence. Merci beaucoup. On va commencer par défoncer Monty. Oui, je suis d'accord, les gars. On va commencer par Monty. C'est la première fois, on a commencé par Chica. Oh, putain de merde, gros. Bien joué, Grégory. Ouais. Dans la salle d'arcade. Oh,
sa voix, elle est... Suce-moi! Sa voix, mais qu'elle est... Putain, je l'aime bien. J'aime bien le mec qui a fait la voix. Il est mignon. C'est qui le mec qui a fait la voix de... Bon, si un jour vous croisez le mec qui a fait la voix de Freddy, vous lui dites que... Que j'ai envie de lui faire un câlin et un bisou. C'est un besoin, voilà. Donc si un jour il me croise, qu'il n'hésite pas à venir me faire un câlin et un bisou. Par contre, il faut que je vérifie que ce soit vraiment lui. Hein. C'est pas une opportunité. Dignité à saisir comme ça! Mec, c'est... Oh, par contre, les mecs, le mode VF s'enlève pas les frises, hein. Évidemment, évidemment, évidemment. Pas habitué ici, je n'ai pas ta réputation. Ah non, mais je sais, mais de toute façon. Freddy, en vrai. Ça veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que je peux y faire, mais de toute manière, tu vois ce que je veux dire? Passe le mur. Ma voix, elle est publique, c'est comme ça. Au fond de la salle d'arcade. C'est comme sur l'anonymat, moi les gars. Tu trouveras une porte enroulable tout au fond qui te mène au bureau des prix. Le fait de me faire reconnaître dehors, etc. C'est, j'ai pas. Je suis pas angoissé physique. Sale grosse pute, sale pute. Mais qu'est-ce qu'il veut? Putain, mec, mais j'ai dû enculer sa sœur dans une autre vie à ce fils de chien. Hein. J'ai plus d'endurance. Le truc, c'est que moi, j'ai plus entre guillemets peur de me faire reconnaître dans la rue par ma voix que physiquement, parce qu'en fait, on te reconnaît dans la rue en fonction de la fréquence à laquelle tu apparais sur Internet en général. Putain, je dois tout refaire. Putain, mais monte, sale con! Merci. Donc moi, c'est plus évidemment, évidemment la voix. C'est pour ça que je dis que je peux rien y faire. Sur mes tipaps, c'est que bah j'ai la voix que j'ai, je peux pas. Mes vidéos sont avec ma voix. Que puis-je y faire si un jour quelqu'un veut... Mais je ne sais même pas comment, mais quelqu'un veut nuire à quelque chose. Il peut s'il veut, hein, bon. Ça risque d'arriver plus tard, les gars, des arnaques avec des voix IA et tout, hein, en vrai. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On parle qu'il balaye à 2 FPS. Oui, j'ai remarqué que beaucoup de trucs, en fait, qui sont un peu en... Qui sont un peu, entre guillemets, en arrière-plan... Tu te trouves dans la salle d'arcade Est. Sont à très peu de FPS. De la sécurité, tu devrais pouvoir atteindre le bureau des prix. Cherche la porte avec un symbole de badge de sécurité. Un peu plus de connasse de Roxy, de merde. Cette espèce d'enculé de sa sœur. Freddy, ça veut pas s'ouvrir. Quelle malchance. Passe le mur de la Super Starcade au fond de la salle d'arcade. Tu trouveras une porte enroulable tout au fond qui te mènera au bureau des prix. Ça existe déjà des arnaques avec des voix faites par IA. Oui, ça va se développer. C'est-à-dire que même si là actuellement ça existe, c'est pas un truc, c'est très très connu. Genre par exemple, je sais pas, les scams par mail, maintenant c'est ultra connu, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est un truc, ça y est tout le temps, des mecs qui t'envoient vous devez 200 000 euros, vous étiez pas au courant, hein. Allez petit, sors de ta cachette, c'est simplement de t'aider. Elle va ouvrir, hein. C'est ça, cache-toi petit trouillard. N'aie pas peur. Bien joué, Grégory. Tu te trouves dans la salle d'arcade est. Qui a dit juste avant qu'il aimait sa voix et qu'il jouait un câlin? Qui a dit ça? Cherche la porte avec un symbole de badge. Qui a dit ça de Freddy? Qui a dit ça en bas? Freddy, ça veut pas s'ouvrir. Quelle malchance. Passe le mur de la Super Starcade au fond de la salle d'arcade. Tu trouveras une porte enroulable tout au fond qui te mènera au bureau des prix. Une porte enroulable du coup, hein, une porte qui s'enroule. Les fameuses portes qui s'enroulent. La porte aussi elle s'enroule d'ailleurs. Et d'où vient ton pseudo, tiens? Ça vient d'une entreprise que mon père avait créée. Mais suce-moi, putain de merde! Pourquoi ça me cassait les couilles cette conne, hein? Je suis où? Regarde, je suis là, mec. Oh, le petit Grégougou! Ça vient d'une entreprise que mon père avait créée quand... Quand il avait à peu près mon âge. Et qui a, hélas, coulé. Suite à des problèmes... techniques. En fait, tout simplement. Il avait sur des machines qu'il vendait. Et voilà. Et donc j'ai dit... Tu sais, quand je t'ai dit, je faisais... Un jour, eh ben, mon père ferait comme lui ce qu'il a fait, sauf que moi, j'aurais une grosse bite! Et voilà. Je suis sûr que tu n'as même pas d'amis. Oh, c'est parce qu'elle dit ta grosse daronne quand j'étais avec elle hier soir! Salope! Si t'ouvres, je t'encule!
N'aie pas peur. Good, une grosse bite, gardez, je ne sais pas. Je sais même pas ce que c'est avoir une grosse bite vis-à-vis de ce sujet. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un zizi gargantué, est-ce que selon vous? Je ne sais pas. Ne serait-ce pas un peu prétentieux, voire handicapant de dire... Voire handicapant de dire... Je dispose d'un phallus de taille avantageuse. Encore? Parce que... Mais juste... pourquoi une pizzeria a-t-elle besoin d'autant de sécurité? Mais va te faire mettre, putain, mec, j'étais en train de me gratter les... Je t'emmerde! Un problème de sécurité survenu par le passé. Cherche une autre entrée. Et tout le monde, c'est Squeezie? Je vais courir, tu as les dents pourries, faudrait se les laver! Le premier qui stresse, il a perdu! Je l'ai trouvé! Bah voilà, tout simplement! Je vous propose un easy game sur 20, hein! Oh, t'es mignon, putain de con de mime de merde, putain! Bonjour, monsieur Malosoussou, bienvenue! Oh! I am going to Kermit Suicide. Rien à récupérer tout autour, visiblement. Oh. Bon appétit, monsieur Bugsong. Bonjour, monsieur Fanelshoot. Ça dépend. Ça dépend, tu choses du combien. Je sais du combien, vous, en termes de tub énorme. On m'appelle la guerre 14-18, moi, personnellement. C'est mon surnom. C'est pas une compétition, les gars. Moi j'ai un pote, il s'appelle le conflit 39-45, tu vois. Faut tout pour faire un monde, je veux dire. Et la drogue actuelle, pour moi c'est plus fort. Non, en vrai, je trouve. Verrouillage pas. D'urgence activé. Cette zone est strictement réservée au personnel. Non, non, non. Freddy, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste pris le badge, c'est tout. Pas de panique. Ceux qui la tiennent, crois qu'il la nique. Je peux désactiver l'alarme, mais il me faudra du temps. On se fait chier, hein. C'est celle-là. C'est en fait la vraie technique. Tu es perdu. Je vais te trouver. Putain, ce con de Monty, de con de merde. Ta flingue, connasse! Ok. Elle va arriver sur ma gauche. Oh! Vous avez des thunes à ce connard. Hein. Donc chaque fois que je remets, ça me réinitialise la caméra. Oh là là, putain de merde. Chose du 43, mais c'est pas une compétition. T'as fini ou pas? Il a fini de taper ce débile. Mec, la cam qui se reset à chaque fois. Bonjour monsieur, Titi Pouette, pardon. Viens rue, heureusement qu'il est con mec hein. Et les gars, à tout moment j'enlève ma montre, il y a Roxy devant moi, vraiment. Tu me regardes droit dans les yeux. J'enlève, elle me regarde, elle fait 20 balles. Ok, elle est là. Je vois les deux, les gars. Regardez. Check tes corners. Les offres, c'est incroyable. C'est cool, hein. Dépêche-toi! Le bouton, il est si foireux, frérot! Non. Arrêtez! Abandonne. Nique ta mère! À deux doigts de les avoir dans le cul, hein! Je parle des doigts, hein!
suis sûre que je suis ta préférée. Non. Elle est là, lui il est là. Easy game. Je vais te trouver. Non. Et voilà, tu vois, ce n'était pas si difficile. Si la voie te semble libre, rends-toi au bureau. One shot. Je tiens à le dire, je l'ai one shot. Oh, regarde-la, qu'elle est conte. Elle est conte. Elle est contente. Tu ne manqueras à personne. Oh, sale grosse pute. Sale pute. Y'a pas de cam. Si, y avait de cam, Adrien, mais en fait, le truc, c'est que... C'est beaucoup plus simple, je trouve. À cet endroit-là, j'avais fait l'observation quand... aujourd'hui, fait l'inverse. Mais ça sert à rien, en fait, j'ai même plus utilisé ma lampe. J'avais fait l'observation quand j'avais fait le jeu la première fois. Je m'étais rendu compte que cette cam, c'était clairement la meilleure. Parce qu'en fait, tu vois les deux angles ici. Et là... Tu restes juste devant ce bouton et dès que t'en entends un, c'est juste tu check en fait, tu fais ça. Tu vois, t'as juste à faire ça en boucle, en vrai c'est beaucoup plus simple, je trouve. Bon niveau coucou, je passe à travers les murs, c'est pas amélioré. Ah mais de toute façon, globalement je trouve que ça ne s'est pas beaucoup amélioré. C'est-à-dire que le DLC Ruin a l'air très bien optimisé, je vais pas m'avancer trop vite, mais il m'a l'air bien optimisé, vraiment. Par contre, la campagne principale, j'ai l'impression qu'ils ont pas résolu grand chose. On verra de toute façon, on va vite le voir les gars. Si le hors-map absolument... L'issue de secours se trouve dans le salon VIP. Si le hors-map qu'il y a... Ok frère. Si le hors-map qu'il y avait au Roxy Raceway, il y est toujours, c'est qu'ils ont, ils ont rien touché. Franchement, parce qu'il était trop aberrant ce hors-map pour... Ok, donc pour ceux qui ont pas vu le let's play... en gros, il y a un moment où je fais un hors-map... qui est extrêmement facile à faire, quoi. Mais vraiment, vraiment facile à faire. Genre juste littéralement, tu sautes... C'est comme si je sautais là et que je tombais hors-map. Ça a aucun sens. Oh, je vais pas refaire mon TikTok, hein. Non, non, non. Y'a rien d'intéressant à récupérer ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, évidemment, les gars, c'est les physiphases. Le suite à capuche, mais là, je me souviens à peu près où il est, celui-là. Et des trucs comme ça, les potes, hein. Le reste, j'aimerais... Ah ouais, ce hors-map, il est incroyable, les gars, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Du never vu. Tu es perdu. La gueule, putain de merde. Tu as trouvé la sortie de secours. Non. Malheureusement, je ne crois pas que tu puisses y accéder sans être membre VIP. Ce n'est pas un très bon système de secours. Par chance, il n'y a pas d'incendie. J'ai quand même rempli un formulaire de plainte officielle. Freddy, toutes les portes sont fermées. Je peux pas sortir par là. Va vers l'ascenseur. Trouve un chemin sans danger sur ta phase watch. Okay. Allez, petit, sors de ta cachette. Non. C'est simplement ils disent vraiment la même chose, les deux, en fait, hein. Bah, je sais pas ce que j'ai récupéré. C'est pas une glace, normalement. Pourquoi ça marque pas la glace? Oh, hey, what the fuck? Do I have the fucking glass into my... Oh là 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 là. Le Freddy est suissable. Tu ne manqueras. Il sert à quoi le capuche? Il sert à ce que quand tu passes à côté de ces putains de robots de mort là, les patrouilleurs, ils te repèrent beaucoup moins facilement. Beaucoup beaucoup moins. Tous les enfants qui m'écoutent, niquez vos mères la pute. Merci monsieur Smanir, bienvenue. Ce jeu est une catastrophe de A à Z. En fait, je trouve pas que le jeu est une catastrophe, mais je trouve que apparemment, donc du coup, il avait été fait vraiment pendant le Covid, et je trouve qu'il a surtout beaucoup souffert du Covid, et surtout évidemment sûrement de la pression des actionnaires, enfin des gens qui investissent dans le jeu, hein, globalement, parce que l'état dans lequel il est sorti, je comprends pas comment c'est possible. Ce qui est problématique, c'est que maintenant, les gens qui sont à la tête des jeux vidéo, c'est plus des développeurs de jeux en fait, c'est des actionnaires en fait, c'est des gens qui ont de l'oseille. Le jeu vidéo rapporte tellement d'argent, vous vous rendez compte du nombre de personnes qui jouent à des jeux vidéo, les gars? C'est hallucinant en fait. Donc qui dit argent dit personne qui veut faire de l'argent, et qui dit personne qui veut faire de l'argent disent j'en ai rien. C'est ça, cache-toi petit trouillard. Grosse pute. Dit même si c'est nul à chier, tant que ça se vend, ça nous va. C'est ce qui se passe avec les Call of, les gars. Regardez Call of Duty Black Ops 5, Call of Duty Black Ops 2, c'était incroyable. Les Modern Warfare, le Modern Warfare 2, frère, Modern Warfare 2, plein de trucs allaient pas, tu vois, mais le jeu en lui-même était insane. Modern Warfare 3, il était insane.
Gros, après, quand t'as des, comment ça s'appelle, des vanguards, des trucs de merde comme ça qui sortent, tu te dis, mais comment ça peut être la même putain d'entreprise, mec? C'est juste que les jeux vidéo, maintenant, ça appartient à des gens qui ont pour seul objectif de faire de l'argent, en fait. Il y a un bruit dégueulasse dans mon casque, là. Bon, j'ai un bruit de crépitement, je sais pas pourquoi, parce qu'il est complètement dans le jeu, hein. Je pense que vous l'entendez. Voilà! Carte gratuite, carte gratuite. Oh non. Dégage! Je t'ai eu! Alors, juste, celui qui a fait le carte gratuite. Je suis pas critiqué, j'aurais pas fait mieux que lui, tu vois. Mais. Où est-ce que je suis? Je sais pas, il vous a arrangé ou pas le carte gratuite? Freddy? Freddy, tu es là? Non. Je suis coincé. Ouais, ouais! Pour un petit malin, hein, Grégory? Et oui, je sais comment tu t'appelles. Sache que t'es dans le beau drap. Ce soir, c'était pas le moment de me faire perdre mon temps. Alors tu vas attendre sagement aux objets trouvés jusqu'à ce que tes parents ou la police viennent te chercher. Alors, est-ce que tu t'amuses? Ah, elle est bien sa voix, Vanny. Elle est cool. Et pourquoi j'ai plus d'ATH? Mais ça me rend fou. Mais pourquoi je vois plus rien? Oh là là, mec, la taille de ma vie de merde. Oh, c'est carrément... Ah, ça y est, je... Hein? Quoi? Masque... Quoi? Mais il m'affiche ce que j'ai récupéré avant. What the fuck? Ah, attendez, monsieur Adil Kaiser. Bonsoir à tous! En majuscule. Je suis le nomade des... Ah merde, je suis mort. Lil Kaiser, tu prends un ban! Non, je rigole. Je suis le nomade des lives et mon objectif est le suivant: la bonne humeur dans ce stream. Alors prenez vos popcorns, fourrez-le dans le cul, saisissez vos claviers, soyez une chatte aimable, disciplinée, surtout un chat en feu! Emoji fire! Merci pour ton intervention, Lil Kaiser. Parce que justement, juste avant que tu sois là, je me disais, putain, c'est vrai que ça fait grave chier là. Vraiment, depuis le temps que j'ai commencé le stream, je trouve que le chat il est vachement ennuyant, tu vois. Et là, maintenant que t'es arrivé, t'as résolu mon problème. Je propose qu'on dise merci, Lil Kaiser. Merci, Lil Kaiser. Merci, Lil Kaiser! Où est-ce que je suis? T'es trop on fire! C'est quoi tout ce bazar? Freddy? Freddy, tu es là? C'est de la merde. Je suis coincé. Comme mon cul! Un petit malin, hein, Grégory? J'ai entendu! Et oui, je sais comment tu t'appelles! Putain! Sache que t'es dans le beau drap! Ce soir, c'était pas le moment de me faire perdre mon temps! Mais t'es un câble! Alors tu vas attendre sagement aux objets trouvés jusqu'à ce que tes parents ou la police viennent te chercher! Va niquer ta mère, toi et là! Alors, est-ce que tu t'amuses? Ça y est, j'ai mon ATH! Voilà! Et donc, du coup, là, en fait, elle vient me. En fait, elle vient niquer ma grand-mère, en fait, hein. Complètement, frérot. Pouah. Pourquoi les gars, ils dégagent cette aura? Pourquoi elle nous fait cet effet-là, les gars? Quelque chose l'explique ou pas du tout dans le jeu? Quoi, te voilà, frère? Quelque chose explique ou pas du tout? Elle est où cette connasse? Oh, Der Kampf. Chat à ta mère! Arrête de dire te voilà alors que c'est pas où je suis, espèce de conne. Je vais pas du tout au bon endroit. Ta gueule! Je vais camper. Bah, t'allais cramper, hein. Comment je vais dans le... Comment je vais dans... Allez, là-bas. Comment je vais dans le truc, là? Attends. Frérot, je suis fou. Parce que Grégory est un animatronique d'après les théories. Ah oui, ça explique... Oui, ceci explique cela. Et frère, allez où cette porte? Je suis pas fou. Est-ce que je peux fouiller ça? Ce jeu est mal fait. Est-ce que je peux... Non, petit ami a fait l'inbox, mortel, fait chier. Mis une couille dans le... Oh, tu feras gaffe, t'es anti-pause, hein. Ah!
frérot, c'est l'animation poursuite la plus terrifiante qu'il y a dans tout le jeu. Quelqu'un peut me clip ça s'il vous plaît et l'envoyer sur le Discord. Dans le truc clip, attendez, je vous mets le Discord là pour ceux qui éventuellement sont complètement à la ramasse. Je vais vite revenir sur le jeu parce que j'ai encore me faire baiser. Faut pas me faire ça moi. Oui. Grégory. Ouais ouais. Freddy, au secours. La lapine m'a retrouvé. Dès qu'il a tiré trois qu'il a pile. Si tu entends ce message, rends-toi à l'entrée du Roxy Raceway au deuxième étage. J'ai empilé des cartons pour que tu puisses passer par-dessus la grille et me retrouver. Quelque chose brouille le signal. Mais oui, pourquoi j'étais en panique les gars? Va au Roxy Raceway. Regardez, on passe d'un bug. T'entends, elle devait pas être en typose hein les gars, c'est pas possible. Tu mets pas. Connasse. Tu mets pas un perso en typose. Comme ça, la typose c'est la pose par défaut quand ils font des trucs sur les logiciels frérot. Tu mets pas ça dans un jeu, la typose, sauf pour troll. Y a que Borderlands 3 que j'ai vu faire ça sérieusement. Salut les graines de Star, c'est moi, Freddy. Bienvenue au Mega Pizzaplex. Prenez vite une part de pizza au pepperoni et arrosez le tout d'un verre de Fizzyface bien frais. Ensuite, venez profiter de nos super jeux et attractions. N'oubliez pas de passer au Rockstar Row pour me rencontrer en personne. Amusez-vous bien et passez une fabuleuse journée. Oh là là, petit mol, pas moi, mais un enregistrement. Je ne voudrais pas que tu te fasses des idées. Tu casses une tranquille épine, eh oui. Eh oui. Eh oui. Comment être bienveillant envers les gens qui ont un prénom qui finit en in. Par exemple, Jill Valentine. De qui la tienne, trois qui la pine. Ah ouais, 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 ouais. Je crois que c'est par là-bas. Elle l'a mis en PLS, non? Fredo en VF, c'est bizarre, moi j'aime trop ça. Est-ce que tu t'amuses? Non, 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 non. Yeah. Tout va bien. Je propose de re-sauvegarder les gars. Pas de fierté, pas d'ego là-dedans. Ça sert à rien. C'est le moment où Freddy il est en PLS là. Je suis pas fou les potes. Capucine. Ça y est, il va y avoir tous les noirs in dans le chat. Le saut à la fin qui sert à rien. Quel saut frérot? Non mais suce-moi. Eh mec, lui là. Moi c'est le poste de merde ouais. C'est celui dans lequel on patrouille au milieu des trucs en construction ouais. Oh pauvre Fredou. Bon, tu m'en voudras pas frérot, je vais juste aller prendre le cadal. Grégory. Grégoïste on m'appelle. Fredou. Les gars, en vrai, Freddy, il est beaucoup trop mignon hein. Regarde le pauvre, putain, ça fait mal au cœur. Camp. Freddy, est-ce que ça va? Oh. Te voilà. J'étais tellement inquiet. Je t'ai attendu encore et encore. J'ai raté ma recharge au RR et depuis, j'essaye d'atteindre le service des pièces et ses entretiens. Je crois que quelque chose cloche. Je peux faire quelque chose? Emmène-moi au service des pièces et entretiens. Non. Évidemment. Comment on y arrive? Il se trouve sous la scène principale. En temps normal, l'ascenseur de la scène m'y emmène après chaque concert. C'est le seul chemin que je connaisse. Oui. Passe par la porte derrière moi. Elle te mènera à la salle des répétitions de l'autre côté du bâtiment. Cherche un laissez-passer des coulisses et trouve un moyen d'activer l'ascenseur. Oh. Bonne chance, graine de star. Oh. Passage en mode veille. Oh. Le pauvre, il est mouru. Je ferai de mon mieux. On va t'aider, monsieur Fritou. Don't worry, be happy. Les gars, vous savez que ce mème me fait rire en toutes circonstances. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je pense que je peux être hors de moi. Genre vraiment, je pète un câble, quelqu'un y place un. Je rigole. Après, je repète un câble, hein. Mais je rigole. T'as baisé ma meuf ?
Bah bon, ça va. T'as enculé ma mère. Bah ok. C'est pardonné. T'as tiré ma cousine. Bah ok. Ça va. Tu es perdu. Ton père c'est ton oncle. Non, ça pardonne pas, hein. Très bien, t'as aimé le sub. Il vient sub. Non. Il vient sub. Quoi? T'as pas eu de sub, frère? Oh, tu es un ours. Tu es un menteur. Oh, tu es un menteur qui m'a. C'était pas monsieur Smanir, si? J'ai dit merci à Smanir, non? Oh, merci, mon cher Smanir. Excuse-moi si. Oh là là, je suis un connard. Si jamais j'ai pas dit. Non, si. Si, je l'ai dit, je souviens. Ah, je sais plus. Ta mère, elle suce des ours. Salut! Merci monsieur Pizza Delama, merci infiniment pour ton offre de soeur, monsieur Skumeong. Suc. Oh putain, c'est pas Skum. Suc. Mais qu'est-ce que. Mais vous roulez votre tête contre le clavier quand vous choisissez vos blazes, bordel, c'est pas possible! Merci Pizza Delama, à ton offre de sub, pour ton offre de sub à monsieur Skumeong. Mais pourquoi y'a pas. Tu me pètes les couilles. Salope. Pourquoi? Je vais enculer un ours. Je vais enculer une putain de chèvre! Dépêche-toi! Freddy! Protège-moi! C'est toi la meilleure. Tu le trouveras en premier. Regardez la décale. C'est ça, cache-toi, petit trouillard. Sale grosse pute! Sale pute! Ta mère, elle suce des ours! What the fuck, j'ai pas offert sa invocation. Ah mais c'était trompé de bouton, ça veut dire ça, pizza. Ça veut dire que t'étais déjà abonné et que t'as fait offrir pizza. Ah, fais gaffe quand tu cliques parce que je sais pas si je peux te rembourser. Si jamais tu peux te rembourser, tu me dis et je te rembourserai, c'est parce que tu veux le faire. Si je peux le faire, hein, évidemment, parce que je ne sais pas si je peux le faire. Je ne crois pas, mais on peut rembourser un abonnement Twitch, les gars, ou quoi? Genre à quelqu'un qui a offert des. Enfin qui a mis de l'argent dans Twitch en fait. On peut ou pas? Quel con. Bon, dis-toi que dans tous les cas, c'est apprécié, Pizza. Même si c'était pas volontaire, dis-toi au moins que c'est pas un truc qui est parti complètement dans le vide. Ça prend mon cœur et ça lui fait ouah, comme ça. Tout simplement. Tu ne manqueras à personne. Franchement là on est un peu des cartes mères dernière génération je trouve, hein. Nous sommes efficaces, puissants, nous procédons, nous réfléchissons, nous sommes utiles. Bah, toutes les qualités je trouve perso. C'était comme ça avant ici. Non mec, arrête de. Enfin, ce mec se prend pour un conducteur de camion frérot. S'il y a des trucs, non, c'est ça. Mais sur terre. Non, y'a rien. Oh, y'a rien. Oh there is something. I was sure about it, man. Le cadeau. Je l'ai pris le cadeau bah... Non. J'ai pris le cadeau les frérots, j'ai rien oublié hein. Oh j'ai une ours. Non j'ai rien oublié. Ne pas hésiter. Je suis trop fort. Honnêtement je ne suis que skill. Je. Du moins sur ce move là. Sophie! Je l'ai pas vu. Non! Il a rien vu, il est con, il est débile!
C'est quoi le but du live soir? On se refait juste FNAF là. Malheureusement, il n'y a pas de différence de difficulté. J'aime bien faire les jeux en diff max, mais là, il n'y a pas de diff de difficulté. C'est comme les Dark Souls. Maintenant, je devrais pouvoir trouver les commandes de l'ascenseur. Tu ne peux guère exercer l'augmentation de difficulté, malheureusement. Je te demande comment, en fait, s'ils avaient voulu mettre une difficulté, comment ils auraient pu l'augmenter sur ça? J'ai eu une amélioration de batterie d'ailleurs, les frérots. J'ai rien calculé, mais j'ai eu ça, j'ai pas rêvé. Non? Bonjour, monsieur Pat 38, bienvenue. Bienvenue! J'espère que tu as passé une journée, ma foi, fort agréable. Mais 3 euros, t'as juste pour sympa qu'il sent bon. Bah, sachant qu'en plus. Twitch, évidemment. Ils prennent. Trop sur les abonnements, ces bâtards. Vraiment, hein. Donc, en fonction de certains trucs, je crois que c'est quand t'as plus de 500 subs au mois ou je sais pas quoi, tu fais des demandes pour avoir. Plus que c'est 60-40, truc comme ça. 70-30, je sais plus, les gars. Bref, tu demandais pour que bah, plus d'argent aille à toi, ce qui est logique quelque part, un peu. Mais voilà, en gros, plus t'es petit, plus ils te volent. Plus t'es gros, plus t'es bien, en fait. Globalement, si je le résumais. Je vais aller sauvegarder, les gars, en vrai. Je vais laisser regarder. Je me souviens là, je vais ouvrir la truc d'aération qui est là. Ça, je m'en souviens. On va pas tourner en rond comme des cons pendant 10 ans. Je m'en souviens. I'm not gonna be. I'm. Ouais. Mais Grégogo, mec, c'est terrible, hein. Merci, monsieur Shadow, pour tes 100 pénis. Merci infiniment, mon fils. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais quoi? C'est vrai devant moi? J'ai pété un câble? I'm gonna break a plan. Attends, il faut que j'entende dans la salle. Attends. Mec, la défaillance mémorielle, c'est terrible. Hein. Ah oui! Il va m'ouvrir en bas. C'est, je me souviens. I remember my memories, not a piece of shit! Que tout le monde, c'est Squeezie! C'est pas là? Oui! Y'a autre chose ici. C'est quoi ce truc? Ça a l'air. Vieux. Grégory? Ouais? Qu'est-ce que tu as fait? C'est mignon! Il s'est passé quelque chose. Mignon! Je peux à nouveau communiquer. C'est mignon! Je crois que tu as réparé mon signal. C'est mignon. Pourquoi j'ai eu un disque de spectacle? C'est mignon. Je te vois sur l'écran. Je pensais pas que t'arriverais à te lever. C'est grâce à ce petit coup de fouet. Freddy, je vois Roxy. Après, c'est qu'ils comprennent. Là, ça sort, ils sont dit sur Spotify. Ça sort à mignon, mon petit pote. Mais je pense que t'as compris. De ce que j'ai compris ton message, je crois que tu as compris. Si tu les vois cogner à la porte, appuie sur le bon bouton. La décharge devrait les étourdir. D'accord, mais comment je sors de là, moi? Tu vois cette grande. Mais dans le cul, tu siffles! Tu te tiens sûrement dessus en ce moment même. Merci à Mademoiselle Wings pour tes 100 zizi, merci infiniment, c'est très gentil. Y'a que sur Twitch que j'aime les gags, hein, les potes. Hein. Vraiment, hein. Merci infiniment pour les saucisses. Cherche-moi sur les écrans. Si tu me vois te faire signe, appuie sur le bouton devant l'écran correspondant pour ouvrir la porte. Te voilà. À bientôt. Vite, Grégory. Je ne peux pas l'arrêter. Vite, ouvre la porte. C'est ça que je dois faire, hein. C'est bon, hein. J'ai pas chié par terre. Eh, je m'en doute, t'as pas 38 avec ta captain. Ouais, je sais pas, y'en a qui. Holy fucking crap. J'suis pas au max, pétasse! Visiblement, il y prend un plaisir monstrueux, hein. Parce qu'en fait, t'as vraiment juste les caméras là. J'avais jamais capté que t'avais des grands écrans qui montraient ça, en fait. Dis qu'il y a des robots qui te suivent quand tu tournes le dos. Ils te suivent quand tu tournes le dos, ça fait penser à un autre jeu. Si, si, bien sûr, ça fait penser à Dark Deception. Mais je sais pas ce qu'ils foutent, les développeurs, à. Déjà, les gars, moi, ce qui m'a saoulé avec. Bah, elle fait pas de bruit, frère, elle se fait taser, ça lui fait rien, frérot, c'est incroyable ça. Tiens, la gueule. Ce que j'ai pas compris avec Dark Deception, les gars, c'est que un chapitre sur deux, c'est de la merde. Ah merde, mais putain, je vais lui ouvrir, l'autre con! Oh, con de mime que je suis! Fredou, oui.
C'est là, hein? Non, c'est là. Pardon, frère, désolé, je t'ai oublié. Merci, merci Thomasin, oui, j'ai oublié. Pardon, j'ai un peu oublié le Fredo. C'est qui dit, nah, jure. Vite, ouvre la porte. Ok, t'es où mon petit poteau? T'es là, t'es mignon, putain de merde. C'est bon, on est bien, les gars. Bonne nuit, monsieur et le sous-sous. Si tu veux regarder la fin, du coup, ce sera sur, ce sera en rediff sur, sur la chaîne secondaire. Hein. La chaîne secondaire est ici, les people, je vous la mets. Elle est juste là. Je parle de la chaîne secondaire, hein, le reste, je ne sais pas. Mais je vous mets la chaîne secondaire. Et attends, mon petit pote, bouge pas. Pour ceux qui veulent venir, exercer les visions du rediffage. Ta gueule. Mais lui, mec, il s'y donne à cœur joie, hein, vraiment, hein. Lui, c'est un toucher de prostate, gros, quand tu le tasses, c'est terrible, hein. Faut regarder ce qu'il veut faire dans ce new FNAF. Alors, en gros, dans ce FNAF, c'est vraiment juste un FPS où Grégory doit s'échapper du Pizzaplex, globalement. Et où tu affrontes des boss, etc. C'est très différent, c'est une sacrée prise de risque, on va dire, par rapport aux autres FNAF. Le seul problème, c'est que le jeu, en fait, à la sortie, était assez... était assez, assez catastrophique en termes d'optimisation. C'est ça qui a pas mal baisé la sortie du jeu. Ah oui, bah oui, bah je veux dire. À partir de là, c'est forcément merveilleux. Freddy, tu m'as sauvé. Oh, t'es mignon, putain de merde. Je suis désolé. Oh, j'ai pas trouvé de commande pour l'ascenseur. T'es une boucle d'oreille en plus. Tout ce que j'ai, c'est ce drôle de disque. Suis-moi. Ouais, et y a Sifa aussi dans celui-là. C'est un disque de programme. Contrairement à, par exemple, à Sister Location où il y en a que deux. Tu pourras y lancer un programme de spectacle, ce qui activera la descente. Il y a plein de messages. Attends, je vais regarder. Message. Il n'y a pas des modes pour rendre le jeu hardcore du cul. Ah ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Aucune idée. En fait, je vois même pas, même s'il y a des modes pour le hardcore, genre, en quoi ça le rend plus hardcore? C'est quoi? C'est les robots, ils te voient et ils instant TP sur toi? Ce serait juste pas drôle, ce serait même pas dur, ce serait juste pas marrant. Bonjour petit Mil... Bonjour petit... Putain. Petite Mi... Petite Mimilou, bienvenue. Très bien, ça fasse plaisir, petite Mimilou. Très heureux avec un Z. Ok, là on peut ouvrir. Il y a un truc à récupérer ici de mémoire. Non? Y'a pas un cadeau à récupérer? Si. Ça, hein. C'est un cadeau, ça? Pas du tout. Y'a pas un cadeau à récupérer ici? Non, je suis un démon, frère, c'est pas possible. J'ai démon, frérot! Oh. Mais. Joe Yamata of Insanity. Oh! What the heck? Je suis à la mode no save plus vanille all time behind you. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, alors, y'a. Vouloir augmenter la difficulté et vouloir se rentrer des pinces à épiler trempées dans... Ah, il est là-bas. Trempées dans l'acide, dans le cul. Au balcon du troisième étage, lance le programme du spectacle avec ce disque, puis retrouve-moi sur la scène. Non. Dépêche-toi, tu n'as plus beaucoup de temps. Mais si... L'heure est bien bientôt terminée. J'attendrai ici, si. Je peux passer par-dessus ça, tu penses? Enfin... Pas. Enfin. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de barrières de sécurité maintenant? Excusez-moi, je suis bêta-testeur. Hein. Et bizarre, il est en train de bouffer. Bah c'est le seul, hein. Enfin si, il te bouffe s'il a plus de batterie. S'il a plus de batterie, c'est pourquoi il pète un plomb. Il y a une explication, les gars, dans le lore de pourquoi quand il a plus de batterie, il te nique ta mère. Ou c'est juste parce que... Je sais que tu es là. Ou c'est juste parce que... Il a plus de batterie. C'est... Mais il fait quelque chose. Je vais te trouver. Freddy a dit que la régisson était au troisième. Putain. Il est au troisième, mais. Est-ce que je dois passer par là-bas? Et oui, mais forcément. Ça peut pas être marrant. Hein? Non, bah non. Faut faire tout le tour. Comme un bon fils de pute. Bien entendu, faut manger de la merde. Est-ce que tu as faim? Tu vois? Je parle de manger de la merde, elle me demande si j'ai faim, mec. Il y a toujours leur map. Bah, on n'a pas pu encore vérifier. Du coup.
fait genre ça. Et elle en a rien à battre? Tu n'es rien. Non, tu as pas vu. On a vu. Cours, cours, cours. J'ai un plan de jeu, les gars. C'est ça. Il y a encore le code! Mais tu ne peux pas t'échapper! N'aie pas peur! Je suis sûr que tu n'as même pas peur. En plus, il y a un remplaçant. C'est bien ça, c'est ouvert là. Oh. Je me suis dit, tant, ça me fait très plaisir ton message, merci infiniment. Ok. Est-ce qu'il va nous indiquer maintenant, Freddy, ou pas là pour ça? Pas du tout, frère. Qui veut un bonbon? Ta grand-mère en train de chier! Je t'ai entendu. Mais. Tu ne peux pas te réchauffer au moment. J'ai une strat! J'ai un plan de jeu! Fais dans ta salon ici! Fais dans ta belle la pute! Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez vos belles la pute! J'espère que Freddy va bien. Merci infiniment, monsieur Mappy 40. J'étais très concentré. Les gars, le move que je viens de faire, je pense qu'il est historique. Quelqu'un a déjà fait un move? Bon, oui, forcément, oui. Mais en vrai, il était vraiment bien. J'ai trouvé. Qui s'est dit là à ce moment-là? Qui s'est dit ça? Moi, personnellement. Je l'ai dit, honnêtement. Et les gars, le plan de jeu, je vous l'ai dit, le plan de jeu. PDJ. Oh non, je vais me faire ban. Faut dire le PDG, les gars. C'est vrai, hein, genre, il y a trop de trucs débiles comme ça. Si jamais je dis, je veux jouer à jeu de braquage 2, je peux me faire emmerder, tu vois. Ah, ça a quand même ses limites, hein, ce système à la cour. Hein. Il y a des limites techniques importantes. Il faut le dire à l'anglais, c'est ça. I got the gaming plan, guys. Oh yeah, Mr. Crab. N'oublie pas la save du démon, t'inquiète, t'inquiète. Je sauvegarde mon démon, regarde. J'ai chatté monsieur préhistorique. En effet. C'est monsieur un préhistorique, je sais pas. Ta grand-mère! Espèce de conne. Débile. What the fuck? Ah, c'est en bas. C'est une caméra d'en bas, ça! Mais pourquoi? C'était. What the fuck? J'ai un plan de jeu, hein. Où es-tu? Dans ton cul. Il est descendu le demeuré. Attends, il y a le bruit de. What the f. Les gars, le meilleur moyen de comprendre que. Mais il y a trop. Alors on boit son urine. Donc oui, pour vous répondre, il y a encore des hors-map visiblement. Enfin je crois, hein, c'est un hors-map là ici. Waouh mec, c'est les pires les plus gourmands dans FPS que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Cache-toi, petit trouillard. Bon bah ok, vous avez un spot d'invincibilité grâce à tonton Cadet les petits potes. C'est cadeau. Sors de ta cachette. Va détruire ta mère.
Après, je me suis dit aussi, quand j'ai vu Grégory, j'ai fait, il a pas l'air de se toucher souvent, le garçon, hein. C'est vrai, hein. Merci. C'est vrai que j'ai fait un beau travail, hein. L'ascenseur nous emmènera jusqu'au service des pièces et entretien. Oh non, il est quelle heure? La lune sur pattes va m'attraper. La glace à la vanille! Elle est où cette grosse conne? Ta mère! Oh. Qu'est-ce qui te consolerait le plus pour aller mieux? Faire sucer par. Rayleigh Black! Les gars, technique de la fin. Regardez. Regardez. Réservé aux enfants. Trop simple ce jeu, regardez. En charge. Elle est en dessous, je pense. Mimilo. Je pense qu'elle est en dessous, c'est vraiment. Comme là, on va faire la technique du map parce que la technique du map elle est bien. Et on va également éviter de se rapprocher de l'autre con! Bonjour monsieur Zombie 1209, bienvenue de rue. Allez! Y'a le con là-bas. Ah, il s'est rien passé! Tout ce cinéma là. Merci pour mon beau travail. Ah, vous connaissez pas? Les gars, vous connaissiez pas l'ascenseur? Oh non! Ah bon, c'est là où on est. La lune sur pattes va m'attraper! Vite, à la station de recharge. Ah! Ok. On va éviter de rejouer avec le feu, comme on dit chez nous. Bonjour, monsieur. C'est quand même beaucoup plus drôle avec la voix de Jean-Marie Bigard, les gars. C'est quand même bien le montage, hein. Oh, c'est pas mal, putain. Fredou. Oh, Fredou. Putain. Ok, donc ça, en fait, ça t'annonce que tu vas tomber sur des fils de pute. Il le traîne, c'est vrai qu'il le traîne vraiment comme le dernier des sacs, hein. Et on va aller jusque-là. Comme ça, les gars, on fait le... Bonjour, prenez cette carte. Prenez une carte. Mais là dans ton fion! Merci infiniment. C'est gentil. Heureusement que vous êtes là, monsieur. Je pensais pas ce que je disais. Merci. Profitez bien. Je déteste ce truc. Aussi. Moi je l'adore, tu vois. Je crois qu'on est un peu différent sur ça. C'est une carte des tunnels d'entretien. Il y a un bureau de la sécurité à deux pas. Si je trouve un autre badge de sécurité, je pourrais accéder au service pièces et entretien. Ce que je disais du coup, c'était que comme ça on fait le live jusqu'à minuit. Vu qu'en plus là c'est le week-end les gars, normalement on est vendredi. Hein, c'est bien ça? Oui. Du coup, normalement, on fait le live jusqu'à minuit. Et on écoute le son qui sort. Et on est bon. Bipolar pour une carte, tout à fait. La schizophrénie pour une carte. Carte ne servira à rien. Oui, c'est vrai, hein. Heureusement qu'ils nous la donnent, hein. Ils sont sympas quand même. Ils sont quand même sympas. Il y a un truc ici.
Et que j'avais complètement oublié qu'il y en avait aussi près. Attends, est-ce que ce débile, il s'en... C'est vrai que j'ai le FOV maintenant qui est mal réglé, ok. Allô? Merci. Le jeu a littéralement freeze, mais... Putain de bordel! Y'a un truc en haut là, non? Souvenir. Non? Y'a pas. Y'a pas? Bon, ok. Admar! Ah ouais, les frises, c'est chaud, les gars. Je suis toujours sous sa caméra. Ok. On avance, les gars, on regarde pas derrière. Pas encore! Le premier qui stresse, il a perdu. Il se prendra dans le cul. Voilà! Easy game. Tromper, c'est eux les plus fourbes. Ou Foxy sans ses yeux. C'est vrai que Foxy sans ses yeux, c'est bien bâtard aussi, hein. C'est vrai que Foxy sans les yeux, c'est vraiment une doigt dans le curry. Une doigt dans le curry, même. What? Sur 20. Pour lui, tu mets un sus ton pote, comment ça, mon ref? Je crois que je l'ai en zone d'alerte, n'avait bougé pas les potes. Je l'ai pas? Si, je l'ai, je suis sûr de l'avoir. J'ai ça. Fils de pute, ma lumière. Qui est pas mal, je trouve, déjà. Le fion. J'ai celui-là. Ah, ça, il est bien, lui. Ça, c'est Sexy Lady, on va pas la mettre. Mais il est où, mon sus, ton pote? Mais... Oh, j'ai perdu mon sus, ton pote. Si, je l'ai, regardez. Tout simplement, les gars, regardez. Sus ton pote. Pour faire preuve d'amitié, sus ton pote. Voilà, j'en ai un. C'est ce que je vous ai dit. Et donc, pour faire ça, c'est celui-là. Sus ton pote. Ouais, c'est celui-là, ok. Pour faire preuve d'amitié, sus ton pote. Fait juste que je me souvienne, de quelle touche il fallait utiliser, les tipotes. Le fion. Le fion. Celle-là, je l'adore. Le fion. Salut, mon pote. Le fion. L'absurdeur, oui. Génie absolu, hein, les gars, vraiment la petite sœur. Mon mari spirituel. Il le sait juste pas. On va recharger. Tu sais qu'il y a un plus d'ailleurs. Moi, celle-là, vraiment. Alors, j'écoute pas souvent parce que je l'ai trop écouté. Et qu'est-ce que j'écoutais? Qu'est-ce que j'écoutais avec des potes si drôles? Ce mur vient de bouger! Non. Qu'est-ce que tu dis, frère? Pas du tout. Vous avez vu un mur bouger, vous? Après qu'il se retourne, il a perdu. Je rigole! Je rigole! Je fais le tour. Pas du bon côté là. Me pète les couilles, ce débile! Et tu fais quoi? Excuse-moi! Je passe vite! Je suis pas efficace! Putain! Non, bordel de merde! Attends! S'il te plaît, pas tous en même temps! Non! There is too much stuff over there! Garde-le! J'ai une idée. Partez.
Partez. Oui. Partez. Qu'est-ce que tu fais, Pofko? Mais... Casse-toi! Mais... C'est quoi ça? Elle est là! Va-t'en! Voilà! Le fion, le fion! 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 Ok, on est bon. Non mais les gars! Ils se foutent de la gueule de qui, putain de merde! Non mais... Oh. Astuce, je suis quelqu'un astucieux. Oh là là, mec, je suis en train de reculer mon écran. Pourquoi ça marche pas tout autour de moi? Ah putain, non, pas encore. C'est quoi ça? C'est quoi encore? C'est encore baisu. C'est une autre... Le rat. Après, la musique est appropriée au jeu, ça va très bien. Je trouve qu'on est dans le thème. Dépêche-toi. Putain. La digue du cul. À l'aide. Oh merde. Oh non. Oh putain. Oh non. Oh. Astuce de fou. J'ai pas peur. Mon père c'est Rambo. La mère c'est l'aide Ripley. Je m'en tape! Normal, normal! Putain, t'as eu quelques traumas, toi. J'ai des soucis personnels avec l'alcool! C'est le bureau de la sécurité. Il devrait y avoir un de ces fameux badges dans les parages. Je l'ai! À moi le service piécier entre deux. Putain de ta grand-mère! Oh, sérieux? J'ai oublié qu'il se réveillait immédiatement, genre. What the f... Allez. Je me casse! Comme dirait Maître Gims! Je suis sûr qu'il est pas derrière moi. Mais voilà! Il est encore là, l'autre con! Putain, mec, mais c'est sur Fada, frérot. Qu'est-ce qu'il fait, ce débile? Freddy est là-dedans. Je dois le libérer. Il pourra retrouver ses parents. Ce n'est pas possible. Vois-tu, il n'est pas dans le fichier. Oh, quel dommage. Si tu remets ma tête en place, je partirai à sa recherche. Il s'appelle Grégory. Tu sais comment je le sais? Sa face watch n'arrêtait pas de le répéter. Avec ta voix,
Grégory, tu es là, Grégory? Vanessa, toutes les phaswatch ont ma voix. C'est l'option par défaut. Si tu es mêlé à ça, je t'envoie à la casse. Le fion Monty se chargera du spectacle jusqu'à ce que ton endosquelette soit remplacé. En attendant, bouge pas d'ici. Je dois trouver ce gamin. Non. Vanessa, ne me laisse pas comme ça. C'est quand même une belle salope, hein. Tu fais daronner de limite de fou. Open the fucking door! Thank you. Tu es ici, Erovine. Oui. Je suis si heureux. Freddy! Utilise la console pour me faire sortir. Ok, alors attends, bouge pas mon pote. Tiens. Bienvenue au service Piation. Veuillez entrer dans le cylindre de protection pour continuer. Ok, on l'OS les gars. Ah, tu pues des pieds, je vais les sauvegarder. Ah, attends, non, parce qu'il y a des cadeaux aussi. J'ai récupéré les cadeaux et les sauvegarder. Attends, il y en a pas ici, il y en a de l'autre côté, dans l'autre salle, je crois que c'est bon. C'est vers ici, oui, il y en a là. C'est pas là. Et justement, c'est devant ça qu'il y a un truc de sécurité de niveau 10 alors qu'on peut pas y aller, regarde. Ah non, c'était juste un bug. Ah bah ça va, ils ont patché des bugs, vous voyez. C'est avant, je m'en souviens, ça marquait sécurité niveau 10, non, ça, je suis pas fou. C'est complètement con d'ailleurs, hein, mais ça le marquait. Pas... Je fais pas du. Bien être nouveau flow les tipotes. Bienvenue. Merci infiniment. Mais y'a pas risque de 5 c'est pas 9 ou ça. Depuis quand 5 c'est 9 Berkampf. This is not possible to be. Je suis les pieds, je vais chatouiller. Maintenance de routine. Je fonctionne bien beaucoup mieux maintenant. Bien beaucoup mieux. Erreur grammaticale. Je ne suis peut-être pas encore au top. Tu veux bien remettre ma tête en place? Je sais pas, ça a l'air compliqué. Rebranche mes fils et sois prudent. Je ne suis pas vraiment moi-même actuellement. En cas d'urgence, le cylindre de protection protégera le personnel d'entretien important se trouvant à l'extérieur de la zone. Oh les bâtards! Désactivation des protocoles de sécurité des animatroniques. Il est recommandé de ne faire aucune erreur au cours de la procédure. Et pourquoi? Il y a des procédures qui recommandent de faire des erreurs? Les gars? Je sais pas, hein. Enfin, peut-être ta première fois, franchement. La tête de Freddy, répétez la bonne séquence en appuyant sur les boutons lumineux en haut de son corps. J'ai pas vu. J'ai vu. Beau travail. Maintenant, utilisez la console de test pour lancer les diagnostics et terminer la procédure. C'est qui a peur? On va faire gaffe, on clique, hein. Qui se chie dessus, là? Bouh! Non, je rigole. Freddy est réparé et prêt pour le grand spectacle. Vous pouvez désormais sortir du cylindre de protection. Mmh. Ben voilà, c'était facile. Oui, perfecto. Il y a électronique là-dedans. Oh, no, que pero sí. Peut-être que quelque chose pourrait m'aider à stopper les autres robots. Oh, ouais. Les lumières vives dans les yeux nous provoquent de brèves dysfonctions. Ouais, les gars, moi ce que j'aime pas. J'imagine qu'un phaser blaster ou une face cam ferait l'affaire. C'est quand même ça. Tu peux trouver ça où? Tu peux gagner un phaser blaster en jouant au phaser blast. Les face cam sont souvent confisquées au Monty Golf. Mais tu auras besoin d'un pass spécial pour accéder à l'une ou l'autre de ces attractions. D'habitude, Chica en offre lors des anniversaires. Va voir dans sa loge Rockstar Row, tu en trouveras peut-être un là-bas. Utilise les ascenseurs de service au fond de la pièce. Ok. Ils mènent au Rockstar Row. On prend d'abord l'ascenseur, les gars. Bien que l'ascenseur. On prend d'abord l'appareil photo, les gars. C'est l'ascenseur, je copie.
Et ce que je disais, c'est que ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une amélioration, je sais plus laquelle, c'est celle de... Je crois que c'est celle de Roxy. Oui, où il vient tout lubrifié, dégueulasse là. Moi j'aime bien quand il est comme ça, tu vois, il est mignon. La choix à faire, je crois, oui, bien sûr. Freddy, ouais. Regarde ces photos. Chica a une sorte de boîte vocale spéciale. Roxy a de nouveaux yeux. Et Monty a reçu des griffes améliorées. Il faut récupérer ces pièces. On pourrait t'améliorer avec. Grégory, ces pièces appartiennent à mes amis. Je. Je ne leur ferai jamais rien de mal à foutre. Quoi? Ils ont passé la nuit à essayer de me faire du mal. Je peux pas bouger, hein, pour info, hein. C'est tout ce qu'ils méritent. Il doit bien y avoir une explication. Ils sont incapables de nuire aux clients. Aucun d'entre nous ne l'est. Notre programmation nous l'interdit. Ouais. Je connais cette théorie, comme dirait un grand homme. Ok. Alors. C'est vrai qu'on peut... en fait, on peut pas remonter là. On peut aller là, mais si je vais au bout, je pourrais pas remonter. C'est complètement con. Mais c'est le cas. Il est tout luisant, il est tout bibi. Non, non, on va d'abord faire, du coup, le... l'appareil photo, les gars, vu que dans le... Tu veux que je te bourre ou quoi? Il fallait faire marchand. Ok, enfin, je vais mettre un poll, les gars. Est-ce qu'on peut faire d'abord Roxy et Monty? Genre en mode l'un des deux? Ou pas? Parce que j'ai pas envie de refaire Chica, genre de refaire exactement la même chose. C'est dommage, les gars, je trouve. Vous en pensez quoi? C'est, on peut faire Monty, Roxy ou Chica en premier? Ou que Monty et Chica? Et Roxy, c'est un dernier. Veuillez vous éloigner des portes. C'est la question. C'est ça que je me demande, les potes. C'est que Monty Chica, ok, on va faire Monty en premier, les gars. Mais qui est là? La grosse chatte! C'est rien. Ne te laisse pas distraire. Freddy, sors de ma loge. Mais je veux te carotter un truc. Elle pleure au-dessus. C'est je peux t'aider. Moi aussi. Le fion. Roule tranquille. Allez, petit, je n'ai pas toute la nuit. Rien à foutre. On va faire tout un plat. Non, ce n'est qu'une entrée. Hein? Vous en pensez quoi, vous? Personnellement, je suis d'accord avec moi-même. Ah, attendez. Ils ont pas corrigé ça non plus, mec, c'est dingue. Hein. Ils ont pas corrigé le fait que quand tu rentres dans une cabine et que tu en ressors, t'es pas direct rechargé. Genre, il y a toujours ce temps de latence. Et je pense que t'es pas volontaire de base, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas sûr que de base, ils voulaient le faire. Concentre-toi. Oh, je l'ai, le concentre-toi! Ah, c'est quoi mon raccourci déjà? Attends. Ah, je mets une raccourci. Si, c'est ça. Concentre-toi. Si, c'est bon, je l'ai. Je vais sauvegarder ou pas, les gars? Alors, perte de mémoire immédiate, je sais plus si je viens de sauvegarder. J'ai oublié. Voilà, vous le savez, sachez-le. Vous pouvez judge si vous voulez. J'ai complètement oublié. Voilà. Vous le savez. Non, c'est un bug, ouais, bah. Je sais qu'il l'est pas. Corrigé. Ça se passe très bien, monsieur, le BG qui est BG. Hop, là je sais qu'il faut aller là, qu'il faut récupérer. Ben non, il faut pas aller là, sale connard. Putain, je suis con comme un œuf, mec. Est-ce que tu as faim?
Tu vas avoir de gros ennuis, jeune homme. M'en bats les couilles. Le fion. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis pas là. Je t'encule. Si quelqu'un veut clipper ce moment, comme ça je pourrais l'enregistrer dans la collection de mes culs. Le mettre sur le Discord si vous le souhaitez. Je sais que l'autre con me suit à ce moment-là, je m'en souviens. Je m'étais fait baiser comme ça. Je ne serais pas crédule une énième fois. C'est marqué en bas, monsieur votre star, bienvenue à toi. Ouais, mais c'était pas du tout là du coup qu'on devait aller. Hein. Oui. Vas-y, dis-lui comment tu t'appelles. Je m'appelle C'est moi. Mon prénom. C'est moi. Ah. Ok, bon bah du coup on peut bah littéralement refaire tout le chemin du coup hein. Elle est où Madame Pavoshko? Y'en a deux. Freddy? Ah oui, viens, mais oui, tout simplement. Freddy? Rien. C'est vrai, il est pas du tout suspect. Merde le mec. Ah, oh Freddy, mec. Il est complètement largué ce type. Oh Freddy, bordel. Petit petit, sors de ta cachette. Va niquer ta mère, toi et la roue. Okay, donc là du coup il faut repasser là. Ah. On va sauvegarder évidemment au cas où les gars, on n'est pas des fous, je le rappelle. Si je t'appelle, c'est pour lui. Pourquoi je t'appelle, c'est pour moi sur Discord. Pour pas qu'on ping. Ça, c'est, je dis ça, c'est un fake account. For sure. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Putain, les gars, j'ai mangé de la purée, j'ai faim. J'ai toujours faim, putain, pourquoi je suis tout le temps faim? Les gars, si je m'écoutais, mais. Le rat. Attends. Je suis pas allé trop loin. Non. J'ai pas loupé la sortie. Le canal déférent. Non, c'est bon. On peut ouvrir là et aussi là. On peut ouvrir les deux, les gars. Ça, vous voyez, pareil, c'est de la parano manipulée par un autre. J'ai besoin d'ouvrir les deux grilles. Alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt, tu vois. J'ai besoin. Là, tac, là, tu vois. Tac, là, là, je passe une bonne journée. Là, on est bien. Freddy, j'ai le pass spécial. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'avais galéré. Les gars, pendant le let's play, je sais pas si ça c'était Ah, au revoir. Je sais oh pas non, si ça c'était. Encore cette horrible lune sur patte. Vite, trouve une station de recharge. Tu devrais pouvoir les localiser sur la carte. Yo connard, dépêche-toi. Va monter dans ton buste. Oh mec, mon dieu, il court, c'est débile, il court. Freddy. Si vous avez jamais vu ce moment avec Markiplier. Ce moment avec Markiplier où il y a Freddy qui lévite. Mais c'est vraiment, je pense, c'est un des moments de YouTube les plus drôles que j'ai vu depuis. Un peu molle, qui manque, on s'accroche à des images dans nos têtes. Une embrouille basta, plus rien à faire, t'as rien compris. Ta seule ambition c'est de percer.